Et le cinquième match de cette Geneva Cup qui débute sous vos yeux. Cinquième match de la journée, mais troisième dans ce groupe 1 qui va voir les Grenades du Servette FC opposés aux Hotspurs de Tottenham. Avec tout de suite les Grenades en attaque avec un ballon pour Castriotti Meri sur le côté droit. Le centre d'Imeri et Alban Aydini qui a laissé passer Souza Olivera qui a pu transmettre Imeri qui a pu sauver ce ballon de la touche. Aydini qui fait un petit tour sur lui-même, Aydini qui pénètre dans les 16 mètres, Aydini le centre, un pied anglais qui traînait. Attention la grosse frappe de Tony Casimiro da Silva Magalhães qui termine au-dessus. Début, Maxwell qui joue sur la droite. Bonne prise de balle de Lungoyi. Retour à Lungoyi. Il va ouvrir de l'autre côté pour Imeri. C'est bien fait. Imeri, il a pu passer la frappe. Et l'ouverture du score pour le Servette FC après 5 minutes 50 de jeu. But inscrit par l'intermédiaire du numéro 19, Castriotti Imeri. Et alors là, il doit rien à personne. Celui-là, il a éliminé son défenseur très proprement. Une frappe croisée qui laisse aucune chance à Charles Freeman. Dans les 16 mètres, mais il a buté sur le gardien. Attention, le corner joué en deux temps côté anglais avec Jamie. Jamie qui va jouer sur Phoenix. Phoenix, il est rentre dans les 16 mètres. La frappe de Phoenix, ça passe au-dessus. Début de Fabien Lamers. Imeri de nouveau. Imeri. Bon, c'est superbe ça pour Longoy. Longoy face à Marcel. Longueuil, il a pu prendre de vitesse. Longueuil, il peut mettre en retrait. La frappe, c'est raté. Oh là là, Imeri qui frappe au-dessus. Alors là, deux gros ratés côté Servettien. Longueuil encore. Ah, il bouge beaucoup, hein, le numéro 11 Servettien. Oh là là, Longueuil. Ah, il a fait un festival, Longueuil. Il a pu transmettre à Aydini. Aydini qui élimine. Aydini qui transperce la défense. Et Jamie qui a pu intervenir au tout dernier moment. Ah, on se bat bien côté Servettien. Casimiro da Silva Magalhães qui a perdu ce ballon sur Tachan. Tachan, il a pu transmettre à Elliott. Elliott qui a perdu. Et une frappe de Carlos Souza Oliveira. Il était assez loin. Frappe assez centrée qui n'a pas posé trop de problèmes au portier. Malgré son arrêt en deux buts à zéro pour l'instant pour les Grenats qui font la course en tête. Mais attention à ce coup de pied arrêté sur le côté gauche avec Patterson Phoenix. Alors Patterson Phoenix s'est joué en retrait. Oui, il y a toute la défense qui a plongé. La frappe de Elva Fontaine Marcel. Mais un ballon qui ne redescendra pas. Alors la tactique sur coup franc, elle était vraiment pas mal. Et le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée. On vous rappelle que le Servette FC mène 1-0 face à Tottenham Hotspurs. Avec tout de suite un long ballon pour Christopher Lungoy. Lungoy, il est dans les 16 mètres, mais ouais, ce sera un petit peu trop long. Attention, il y a Lungoy qui est parti. Lungoy, ouais, on n'a pas pu lui transmettre. Il s'est arrêté. C'est très intelligent de la part de Lungoy qui était hors jeu. Et alors là, le drapeau se lève, mais alors, ouais, on n'est pas vraiment sûr hein, depuis où on est placé. Il semblait qu'il avait fait le pas de retrait, le numéro 11 des Grenats. Et une récupération de balle, Antunes. C'est bien fait d'Antunes. Il a l'appel de Tuziama. Tuziama qui se retrouve dans les 16 mètres. Tuziama qui remet Antunes le contrôle. Un ballon qui vient en retrait. La frappe et ça passe à côté. Un ballon qui a été touché. Ce sera un corner. Une grosse occasion pour les Servettiens en ce début de deuxième période. Antunes qui est venu mettre un petit tampon sur son adversaire. On s'en sort bien côté anglais, on va pouvoir se mettre en bonne position. Attention, on a trouvé un coéquipier tout seul, la frappe de Griffith Réo. Alors c'était pas assez fort pour inquiéter le portier Lamers. Récupération, Aydini, c'est pour Lungoy. Le contrôle de la poitrine de Lungoy qui va tenter de s'embarquer le ballon. Lungoy, il est pris au tout dernier moment par Oklebus Tachan. Et ce tacle dans les 16 mètres. Et côté gauche, on a Réo qui a pu prendre de la vitesse. Réo, il se met en position de tir. Ballon qui a été accompagné par Fabien Lamers. Il n'a pas touché le cuir, le portier genevois. Pour tirer ce corner, cette fois-ci, ce sera directement dans la boîte. C'est touché au premier poteau par le même Reynolds Jamie. Et Moroyen, justement, qui peut dégager. Ouais, c'était pour Richard Swaddle, mais un ballon un petit peu long qui termine en touche. Attention, côté genevois, pas trop attendre non plus le ballon. On a bien fait jouer jusqu'à maintenant.
il faut garder un petit peu ce rythme-là. Là, on va pouvoir partir. On lance dans la profondeur. Ah, superbe, on a pu trouver Lungoy. Lungoy qui se présente seul face à Freeman. Lungoy et le 2-0 inscrit par le numéro 11, Christopher Lungoy. Alors lui, il a été présent absolument tout le match. Et ça, c'est mérité pour lui. Ce but qui vient presque éteindre les espoirs anglais, là, à 2 minutes de la fin du match. Jeremy. Contrôle un petit peu long et l'extérieur du pied pour lancer Lungoy encore une fois. Et l'intervention de Maxwell. Et vous pouvez l'entendre, donc le match qui s'arrête sur ce score de 2-0 pour le Servette FC qui fait la bonne opération là face à Tottenham. 2 buts inscrits, le premier à la 6e minute en première période, le second inscrit par Lungoy, le numéro 11, et le premier c'était Castriote Imeri.